bien l'état d'esprit de ce groupe. Je veux dire, oui, on a fait des fautes, oui, on a perdu des ballons. Mais même avec ça, avec ce contenu-là, on peut gagner des matchs. Et aujourd'hui, c'est un peu l'image que, de ce groupe, de cette équipe. Et peut-être que ça ferait du bien à l'image du rugby, tout simplement. Qu'il y ait plus d'équipes et potentiellement qu'il y ait un état d'esprit, comme il y a dans, pu y avoir dans cette équipe. Donc aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et qu'on ne lâchera rien. Jusqu'à la fin, en jeu ou pas en jeu, on gardera cet état d'esprit. Et aujourd'hui, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu cette semaine. On a montré beaucoup de solidarité par rapport à Younes, parce que voilà, il a subi beaucoup de choses. Et on se devait, nous, si on était amis, comme je vous dis à la conférence de presse, l'autre jour, j'ai dit au départ dans le rugby, on nous dit, ouais, voilà, tu viens au rugby, tu vas trouver des amis. Et quand le rugby s'arrête, qu'est-ce qui reste? Soit les amis, ou soit tous les autres qui partent à côté. Mais aujourd'hui, je pense que Younes peut considérer qu'on a été ses potes. Et on a été solidaire dans tout ça, dans le combat et dans l'engagement. Donc mais après, vous pouvez... Ça a été dur à assumer, Younes, cette fin de semaine. En fait, c'est pas... Moi, personnellement, je te le dis, je m'en fous. Mais c'est vrai que tu vois... L'ampleur que ça a pris, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Maintenant, j'ai dit ce que je pensais. Je savais pas que dans ce... Je savais pas qu'aujourd'hui, en 2019, on pouvait pas dire ce qu'on pensait. Ok, très bien, maintenant je sais. Pas de problème. Mais sachez un truc, c'est que moi, ce sera la dernière fois que vous me verrez devant une caméra. Et ça, c'est sûr et certain. Que vous me demandez, vous me demandez pas, j'en me contrefous. Parce que moi, tout ce qui est réseaux sociaux, j'y suis pas parce que j'aime pas ce côté, vous voyez ce que je veux dire, c'est virtuel, c'est on peut dire, c'est facile de parler derrière un écran. C'est facile de parler derrière un écran. C'est facile de dire des choses. Mais moi, j'attends que ça, que les personnes viennent me voir directement et me dire ce qu'ils pensent. Pas de problème. Je suis ouvert. Je pense pas que je vais. Je pense pas à quelqu'un. Enfin, je suis quelqu'un d'avenant, je parle avec vous, et pas de problème, je discute avec vous, c'est sans souci. Maintenant, c'est vrai que je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Il y a des personnes qui ont été vexées, franchement, moi, quand je vois Yannick Bru être vexé, alors que quand tu sais la légende que c'est, forcément, ça fait chier. Mais bon, là, ça m'a fait plaisir, tu vois, il m'a serré la main, donc je l'avais jamais vu, moi. Enfin, je l'avais vu vite fait, on se croise, vite fait, au bord du terrain et tout. Mais tu vois, il était entraîneur de l'équipe de France il y a pas longtemps. Bon, maintenant, voilà, tout ça pour vous dire que. Moi, je pensais pas, et je vous le dis très clairement, très sincèrement, ça sera la dernière fois que vous me verrez devant une caméra. Parce que si moi, je n'ai pas été sensible à tout ce qui a pu être dit, l'ampleur que ça a pris et tout, bah, y a des gens autour de moi, notamment ma femme et mes enfants. Voilà, moi, tu t'approches d'eux, effectivement, ça peut vite très très mal se passer. Et quand je vois mes amis tout au long de la semaine qui m'ont... Tu vois, enfin, oui, je te dis mes amis, parce que depuis qu'il y a eu cette histoire, il n'y en a pas un qui m'a dit... ah, t'as déconné ou un truc comme ça. Ils m'ont tous dit, on assumera avec toi. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ah, donc ça en dit long sur l'état d'esprit, tu vois. Un mec comme Arnaud, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il est là que depuis 3 mois. Et j'ai l'impression de le connaître depuis 20 ans. Bon, il est un peu plus âgé que moi. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Non, attends, c'est chez lui là-bas. C'est lui, il n'y a que lui. À part lui et Guinness, il n'y a pas de baïonné. Il n'y a pas de vrai baïonné. C'est eux deux les vrais baïonné, tu vois. Et malgré ça, tu vois, il a... Tu vois ce que je veux dire? Moi, il était avec moi. Quand je vois Colette.